J'espère tomber avec des phénomènes qui me reconnaissent pas, les gars. Ouais, mais j'aime pas qu'on me fasse passer pour une sorcière alors que gros, je vais pas me mettre avec un assisté comme ça. Le mec, il c'est m'a pas un peu méchant quand même. Si, si, je confirme que c'est un peu méchant. Bon. Un peu beaucoup, mais bon. Non, mais Joe, c'est vrai. Arrête, c'est vrai. Non, mais arrête, Cache. Il m'a insulté tous les noms. C'est bon, il m'a insulté tous les noms. Je peux dire que c'est un assisté, hein. Ça va. Si Finn et Cindy nous expliquent les problèmes avec son série. Pourquoi tu rigoles? Ah vous je t'ai manqué. Ah ouais bah oui je savais. Et moi je t'ai manqué. Starfoula. Tu les trashes pas, je sais pas, je suis pas d'humeur à parler aujourd'hui. Je crois que je veux juste capturer des âmes. Thor X, mais... Yo l'équipe. Salut. Salut. Oh mon dieu. Genre un... Ah non mais les gars, j'ai pas de chance, je suis même maudit. Il y en a trois qui sont au rez-de-chaussée, il y en a un qui m'attend dans le dos gros. C'est... Comment tu veux appeler ça autre qu'une malédiction? Sachant qu'on n'entend rien gros, on n'entend rien. C'est terrible. Non les crottes, mais gros, c'est pas possible. Truc de merde. Voilà. Oh non, baisse ta mère. Quoi? Non mais wesh, bon, je suis bon pour aller chercher mon truc tactique. Hein. Faut que je joue avec des smokes les gars, smoke couteau. C'était bien joué chat hein. Joe le loot il est safe ou pas? Je pourrais pas te dire. Non, y'en a 4 qui campent dans le petit bâtiment à côté. Là devant toi, J.O. Devant toi. Devant toi y'en a 3 et derrière toi y'en a 2. Mais là derrière toi 2. Ah, trop tard, j'ai été pris en tête. Et ouais, ils campent le loadout, c'est la nouvelle stratégie, j'ai l'impression. Oh, ils ont toujours fait ça, t'inquiète. C'est vrai. Mais c'est ma gueule. Il y en a un qui a le seum. Je viens de recevoir un message. Il t'a dit quoi? Attends, j'ai pas encore ouvert. Ah, débat. Attends, il est en train de t'insulter sur le PSN? Non, c'est un gars qu'on connaît. Tu me dis ce qu'il te dit. Parce que bonjour de ma part. Parce que. Moi, en fait, c'est. Ah, c'est bon, j'arrête une gamine. Ah, moi, tu me l'as dit, faut pas me dire deux fois. Hein. Non, fais-le pas, arrête. Oh, fais-le pas. Oh là. Le mec, c'était son pote, mais il est prêt. Il est. Ah, tiens. J'arrive avec lui. Putain, il est prêt à trahir son collègue pour cette fille. Ah là là. Un kill sur toi. Oh, nice info. Knock. Ça l'aime encore. Oh, il s'est cassé la gueule. T'arrives pas à monter. Ouais. Pour moi qu'elle a posé ses sous là. Team. Oh là là. Ils sont combien? Ils sont trois minimum. Oh bah là, j'ai aucune chance gros. Regardez ça. Oh là là. Oh non. J'ai trop envie de m'en refaire une les gars. C'est pas grave, on se fait un peu bang bang quand même, mais c'est pas grave. Voilà. Le problème c'est qu'on a été trop tard. Vas-y, go s'en refaire une. Faut que tu trolles chaud. Là j'ai deux chevaliers blancs avec une fille. Il m'a dit tu joues avec Inès? Oui. Bah ouais. Bah ouais, on joue ensemble. Non, lui dis pas ça, t'es ouf. Sur internet, il y a quelque chose qui est vachement connu. Ça, c'est une princesse. Et ça, avec souvent une manette entre les mains, c'est ce qu'on appelle un chevalier blanc.
peu importe ce que la princesse fera, tant qu'elle joue aux jeux vidéo, le chevalier la suivra. Cette lady est entourée de deux chevaliers blancs. Un qui s'appelle Thor, l'autre qui s'appelle Géo. Géo est pote avec celui qui s'est fait baiser, aussi appelé Lex. Ok ? Géo, dans son rêve le plus secret, il aimerait se faire sébrant, tu vois, par elle. Mais il peut pas. Il est en position de friend. C'est le friend qui répète ce que Lex dit. Mais pour de vrai, Catherine, elle veut juste se faire remonter le moral. Mais elle veut se faire déchirer le trou de balle, toujours par son ex. Ce qui fait que c'est une relation à quatre, so underground. C'est trop bon. Cette série s'appellera Inès et les copains. Oh. Il a vu ton message ou pas, Joe? Ouais, mais justement, j'ai pas de réponse. Oh, elle se renseigne. Elle est curieuse. Qu'il prenne son seum, hein, c'est bon. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Du coup, il m'a dit oui, tu joues avec Inès. Donc du coup, je lui ai répondu. Il m'a dit MDR, je m'en doutais. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et depuis, j'ai dit de presse. Mousse. Bien évidemment, je suis tout seul. Coucou Emma. Eh bien joué. Et 4 mecs juste en face. Ah, je suis trop loin pour... Ok, d'autres okay. En face. Inter, là où j'étais. Sono tre. Merci pour... T'inquiète. Oh putain, merde, le gaz. Oh non, si on meurt du gaz, franchement, je me gêne pas la tête. Oh. Ok, on en a sur la gauche, faites attention. Oh, merde. Je suis mort, j'ai pété mon corps. Continuez à venir, hein, au cas où. Hein. On va te réanimer. Bien joué. Merci. Inter. Maman, tu crois que j'ai trouvé le prince charmant dans Call of Duty Warzone 2? J'étais en résurgence. Je suis tombé du haut d'un immeuble et il m'a rattrapé. Il y en a à côté, faites gaffe. L'escalier à gauche. Il y a une frappe là où je suis. Hein. Qu'est-ce que je fais ici? Non, il est crap. Oh, bien oui. Ça arrive encore, faites gaffe. Oh là là. Oh putain, il m'a cut, oh, ce bâtard, il est crack. Attention, M3 sur moi. Oh là là, je suis un maximum. Je l'ai crack, mais il avait un couteau là. C'est trop nombreux, trop nombreux, attention. Ah, baiser vraiment. Oh non, il restait 3 secondes pour l'aria. Dommage. Bon, bah ça a pris le méga sem de ouf. Ah oh, bah oui, mais c'était sûr. Oh. Allez, répète tout, donne l'info. Peut-être qu'un jour, il viendra s'excuser, je sais pas. Moi, je m'excuserai, je suis plus mature, plus poli. Dis, Jo, nous aussi, on attend, nous aussi. Allez, tous le retour à l'Esauvageon. Oh, c'est Thor qui prend le lead. Quel homme. Oh, ok. Réanimer, peut-être, plutôt qu'abandonner. Tu peux me toucher, Thor. Oh non. Oh, il a joui. Oh, le fils de Yinch. Vous inquiétez pas, l'équipe. Non, non, non. Je suis encore en vie. Oh, il y a une porte. Il y a un snipe là qui m'a tué. Il est en train de me regarder. Il fuse. Hein, ouais, je vois. Mais il y a trop de monde en bas là.
touché toi. J'ai joué. Voilà, c'est le. Et meurs. Comment ça se fait? Attention, il y a une frappe sur nous. À terre. Mort, bien joué. Ah, on nous prend tous, hein. Ah, mais en fait, il est venu dans mon dos, moi, ce bâtard, on finit. Celui-là qui reste, il se sauve. T'inquiète pas. Oh, mon dieu. Charme-moi, charme-moi. Not bad. Oh, mais j'arrive pas. T'inquiète, je suis là. Au loot, ça... Au loot, ça... Ça l'aime. Un nouveau mâle fait son entrée dans la maison. Comment est-ce que les autres mâles déjà installés vont-ils le prendre ? Il m'attend ou quoi, lui ? Starfou là, gros. C'est moi ou ils me courent après, gros? Mais pourquoi ces mecs me courent après? Genre, je leur ai fait quoi? C'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes, gros. Allez, c'est zéro, mais... Trop de monde partout, là, c'est horrible. Je déteste cette map. Oh, oh y a... Attends, y a un mec qui parle de nous. Oh comment on écrit dans le chat? Oh Vampad! Vampad qui arrive, gros! Pourquoi y'a quelqu'un qui parle de nous? Dans le chat! Moi, je m'en bats les couilles, je les emmerde tous. Attends, y'a ton ex qui est dans la partie? T'es jamais Vampad! T'es jamais! T'es sur PC? Non, je suis sur Play. Oh merde, j'en sais rien. Et y'a un mec qui veut que nous insulter dans le chat. Mais c'est un parent, c'est un malade ton ex pour venir dans les parties comme ça? Non, mais c'est. C'est pas lui là qui parle, c'est un autre mec. Oh Vampad, what? Je sais pas comment c'est. Et t'as vu ce qu'il a écrit le jeu? Inès oui, c'est et Joe de... Ah mais c'est fou, c'est bizarre. Je vais vous trouver comment on écrit dans le chat. Tu es AFK 2 secondes hein, parce que c'est déjà des trucs que je peux lire pas trop. Je vais crever. Vampad, t'es vraiment trop con. Ah ça prouve quel type de personnage on a affaire. Non mais le mec est fou. C'est pas très malin. Faut qu'on le retourne surtout au Vampad et l'autre j'ai pas noté. Mais on dirait... Inès c'est les chaussures. Bah attends le mec il a le seum contre toi Jai. Je sais même pas qui c'est, je sais pas qui c'est. Merci Madame Paga pour les 5 sub gifts. Eh oui chat, les telenovelas, c'est sur la chaîne de Show H1, ici même. Vous voulez une bonne telenovela? Show H1. La telenovela de Show H1. Plus de telenovelas? Je retourne, je suis blessé. C'est en train de m'énerver. Ah bâtard. Oh Vampad, viens mourir une fois sur moi et je vais. Et je vais dire, vas-y, je l'ai trouvé et tout. Genre viens dans l'église là gros. Tiens, je te montre sur la map, c'est ici, cimetière. Cimetière, tu viens dedans, je t'interroge et on combine un truc. Mais surtout parle pas. Elle va cramer que c'est pas son ex. Merci Cuss pour les 5 subgifts. Oh, oh et je l'ai trouvé. Ok, on arrive. Pas celui, bonjour, ma part. Je l'ai interrogé pour justement qu'il puisse pas abandonner. Laisse ta mère, toi. La part d'Inès. Putain. Elle est pas au chômage pour rien, là, Inès. Hein. Putain, y'a Pricker qui nous emmène. Ouais, mais attends, on finit la game. Eh oui. Ok. Ouais, j'ai des comptes à rendre.
Il est rentré, hein, il est là. Oh. Mais... Attends, il y a un mec. Il fait que me tomber dessus, le mec, là. Il casse les couilles. C'est lui encore. Joe, il est là. Je vous le ping. Ok. Bien joué, équipe éliminée. C'était eux, c'est ta team? Je sais pas. Ah, les bâtards. Je vais le rejoindre après la Vanguard. Je vais essayer de trouver dans le... Regardez ma position, les gars, comment elle est strong. Y'a du monde au loot. Y'en a sur le top. À terre. Bien joué. Merci pour la petite aide. Ils sont tous dans l'escalier. Il a 1 HP, ma poule. J'imagine que j'ai fait fuir une team de 4 tout seul. Ouais, mais le truc, c'est qu'il connaît mon prénom, donc... J'aime pas trop. Ouais, ça par contre. Tu vois à quel point c'est vraiment un putain de con. Non, mais c'est pas Louis, je lui ai envoyé un message, il m'a dit que c'était pas lui. Ce sera ses potes alors. Il a forcément raconté l'histoire à quelqu'un, faut pas être naïf. Comme par hasard, le mec il connaît nos deux prénoms. La blague. Il y a, si je vois une exécution de Vampad sur eux, je pleure du sang. Il est mort, merde. Ouais, chaud. Une bête de plaque sortie. Les deux, ça me court dessus. C'était sûr. Ça sur moi. Ah, c'est des joueurs shotgun. Je suis encore en vie, l'équipe. Lui, il a pris pour les autres. Hein. Mais vous avez vu ce que je viens de mettre ou pas? Oui. Je peux vous réanimer peut-être. Prends-toi un mec, ouais c'est bon t'en as, bien wesh. J'ai sauvé l'équipe. Oh non. Oh ils sont chauds. Ils sont chauds. Ah ouais là c'est bon. Ils sont partout. Oh y'a du monde partout, je me fais. Oh là là. Reste en vie Lady Def, je suis encore en vie moi. Je peux même vous réanimer peut-être. Oh. Oh là 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 là. J'y vois rien, les gars. Attends, mais faut pas aller ici. Je vais essayer de te réanimer, mon gars, d'accord? Ça marche. On a la zone. Bien joué. Vas-y, Joe, bonne chance. J'arrive avec vous, de toute façon. Je vais tellement mourir. C'est incroyable que je sois encore en vie déjà. C'est ça, mec. Ah, le bâtard.
Il y en a qui font les bords de gaz, faites attention, ils restent avec le masque. Je suis encore en vie, l'équipe, je suis encore en vie. Je pense que je peux vous réanimer encore. Oh, mais t'es un tueur. Merci. Lady, il me manque 60 balles pour réanimer l'autre copain. Ah ouais, mais les gens... Je le fais. Ça y est, il les a trouvés. Aïe. Je suis mort pour vous, l'équipe. Oh. Je suis mort pour vous. C'est pas grave. Gagnez pour moi maintenant. Ouais, mais on va pas pouvoir gagner là. Si, vous pouvez. Restez en l'air en parachute. Sautez dans l'eau. C'est là que vous serez bien. Y'a un mec. Deux contre deux, l'équipe. Joe, il en a craqué un. Il est dans l'eau, Lady. Sur toi. Tu peux le tuer. Là, tu le. Vas-y, défonce-le, comme c'était une grosse carpe. Oh, un contre un, deux contre un, vous pouvez gagner. Il est quasiment crack. Vas-y, Joe. Allez. Oui, oh non, on a gagné. Incroyable. Est-ce que tu pourras back du coup au menu que je trouve l'autre enculé qui nous a insulté? Vampad, prépare-toi à faire le discours le plus lunaire du monde. Ah, tu veux trouver le mec là qui parlait au début? Ouais. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un belge. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il va rejoindre. Hein. Ouais, mais vaut mieux pas pour lui. Ce genre de mec, ils ont pas de couilles généralement. Allô? Ouais, y a un problème? On se connaît? Mais ouais? Non, on se connaît pas, non. Mais ouais, moi je connais surtout Geox là. Non, il connaît pas non plus, non. Si, il a payé mes services un jour. T'as quel âge? À ton avis. T'as vu tout? Ma bite. T'as dit bite. Tu te rends compte que t'es ridicule ou pas du tout? Mais j'ai dit Inès, Geox, c'est incroyable. Oui, elle est là, Inès. Oui, elle est là, j'ai, Inès. Mais c'est incroyable. J'ai mis votre nom par hasard. Mais oui, je l'ai dit dans toutes les games. Ferme ta gueule, à un moment donné. Attends, j'explique. J'ai mis Inès et Joe dans toutes les games. Et c'est incroyable, c'est un signe du destin. Vous êtes là, mais ça veut dire que vous voulez vous marier. Vous voulez vous marier. Mais comment tu me connais? Non, arrête, ça me fait parler. Ferme ta gueule. D'accord, je me tais. Comment tu me connais? Mais je ne vous connais pas, c'est ça qui est incroyable. J'ai mis au hasard votre prénom dans le chat. Il n'y a pas de hasard. Parle de Louis, Vampad. Parle de Louis. Non, il n'y a pas de hasard. Et du coup, tu me connais d'où? Mais je te connais pas, Inès. Bah si, je te connais mon prénom, gros. Mais j'ai mis au hasard, c'est le hasard qui fait ça. Le hasard, comment je pourrais savoir? Comment? T'as quel âge? 24 ans, comme toi, Inès. Ah, tu connais mon âge aussi. Bon, bref, ça me fait pas rire du tout. Et Geox, il a 30 ans, oui, j'ai tout retenu. Les feux, c'est aujourd'hui les feux. Attends, parce que je me gonne en même temps le cul, attends. C'est pas faire tout en même temps. Il est complètement fou, gros. Il est complètement fou. Excuse-moi, ça m'a chatouillé l'anus. Ouais, t'inquiète, y'a pas de mal, t'inquiète pas. Je l'ai mal positionné, je pense. Non. T'inquiète pas. C'est il a perdu son sérieux, fils de pute, il est mort de rire. Oh putain, ça fait du bien. C'est bon, c'est passé ou... Bah oui, mais j'attends Geox quand même. Putain, ça fait du bien quand tu fermes ta gueule par contre. Oh, Geox. T'es là, Geox. C'est pas Geox, c'est Joe. Ah, je t'entends. Oh, la grosse voix, gros. On va pouvoir jouer à 4. T'es qui, toi? J'ai marqué votre nom dans le chat et non, tu connais nos âges. Arrête deux secondes, tu connais nos âges aussi. En fait, je suis le frère du père de l'oncle de Louis. C'est moi qui ai baisé Louis et les Geox en même temps. Et ouais, ça vous y attendez pas, hein. On a fait un plan à 3 et t'étais pas invité, Inès. Voilà, comme ça tu sais. Je voulais pas. Je t'ai envoyé une demande d'amis, Jo. Non, je suis désolé. Je t'en ai envoyé une aussi. Ok. Allez-y, et moi Et moi, vous m'avez envoyé une demande d'amis. Et moi, Géo, tu m'as envoyé une demande d'amis. Oh non, il est parti. T'es vraiment bizarre, mec. Hein. Je sais pas quoi dire. C'est... Bon, ben, je vais y aller alors, hein, du coup. Non, reste là. Attends, on va discuter tous les deux. Mais non, on va pas discuter, tu vas me prendre. Si. Non. Je quitte. Hop. Maintenant, on va rejoindre Gio, les gars. Ah, Jo, t'es là? Ouais, je suis là.
Mais c'est un pote, et gros, ça se voit, c'est un pote de l'ex, là, Louis, là, ou je sais pas quoi. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi il fait ça, le mec ? Aucune idée, c'est des gamins. Et moi, je vais te le dire honnêtement, là, vu qu'on est que tous les deux, elle serait mieux avec toi. Elle est trop jeune pour moi. Vous avez l'air de bien vous entendre, et l'amour n'a pas d'âge, hein. Bah, juste... Ouais, je suis d'accord, mais vaut mieux rester en tant qu'amitié que tenter quelque chose et de tout perdre. Ah ouais. Elle a quand même 25, t'as 30 ans, ça va, tu vois. Je suis d'accord, mais bon, après, faut voir aussi son état d'esprit, de sa vision. Je lui en ai déjà un peu vaguement parlé, mais après, il n'y a pas le petit lien de son propre côté non plus. Donc... Oui, parce qu'au départ, je l'ai un petit peu taquiné aussi, pour voir sur quel pied danser, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de répondant, donc du coup, c'est que je ne l'intéresse pas. Par contre, on a un bon feeling en tant qu'ami, ça, par contre, je ne veux pas le perdre. Ouais, je comprends. C'est bien. Quand t'as fait tout ça, elle était avec Louis, ou il y avait Louis pas loin? C'était ça. Je pense que le jour où vous verrez, ça va tout changer. Ouais, je pense pas. Mais en fait, genre, son nom, ce qu'il joue sur PC, et son blast de PC me dit quelque chose, mais je sais pas d'où. Mais je comprends pas comment il a su, donc c'est forcément Louis. Pour rien. Ça fait cinq mois que j'ai pas joué, il me balance mon nom, mon âge. Non, quoi. Le Louis, ça a l'air d'être un sacré loulou, hein. Bon, il me dit non, c'est pas moi et tout. Bah, putain de gamin. J'aurais de foutre une merde. Une sorte de bordel. Ah, il m'a tendu l'enculé, ça y est. T'as juste à le bloquer au pire. Si c'est le frère ou le pote à celui qui disait. C'est un pote, c'est sûr. En gros, il était là... Oh, mais attends. Je connais une espèce de petite salope. Belge. À qui oui, j'avais déjà des problèmes. Antoine. C'est gentil quelque chose. Un petit Antoine. Parfait. Parfait. Faker connaît. Oh, c'est lui frérot, je te jure que je monte au pitch. T'es comme la gueule. Mais comment moi il me connaît moi? Alors là, ça c'est une très très bonne question par contre. Comment il sait que je suis en train de jouer là? Donc ça me dérange pas mais... Retourne devant cette situation, coach Margo. Le lien c'est Didi Bull. Et Didi Bull c'était une amie à lui. Jusqu'à ce qu'il se prenne la tête. Ouais cool. Non mais Didi je n'ai pas un ami. Bah non, je sais, mais t'as joué qu'une fois avec elle et encore, ça fait une partie de mine, même pas. Didi Bull, celle qui fait des vidéos sur Internet? Sur stream Twitch? Ouais, sur Twitch. Ah, tu la connais? Bah pas vraiment, je suis jamais passé, mais j'ai regardé la liste, je regarde souvent, moi, Twitch Warzone, je regarde bien, j'aime bien. Ah, ok. Ouais, elle fait des lives sur Twitch. Mais bref, ouais. D'accord. Mais ouais, non, je t'avoue que c'est chelou, je sais pas. Le problème, c'est que je me connais, il connaît mon âge et tout. Il va pas me faire rire du tout. Ouais, une frappe. Y'a que Lou. Que la savait pas. À terre. Elle savait pas qu'il a acheté. Non, mais c'est pas Didi. Non, mais et puis, je vois pas Didi faire ça. Ouais, mais tu sais, l'autre, ce serait bien le style de. Son style de petite pute. Eh, bien joué, Pécœur. Ah, encore, oui, je veux bien, mais ça a Didi. Il arrive, je sais pas qui là. Ça me fait vraiment pas rire ce genre de truc. Il craque au-dessus de toi, un peu. Je monte. Il est français, il a l'info. Radez les gars, radez les pseudos. Ils sont deux sur moi. Je vais lui déposer des parpaings à travers la gueule, ça va lui faire bizarre. Là, c'est pas plus loin. Il est plus loin. Bon, j'ai peut-être accusé Louis pour rien. Je pourrais pas te dire. Franchement, là, c'est mystérieux quand même. Parce qu'il y a quand même très peu de gens qui savent vraiment nos prénoms, nos âges. Donc. Bah oui, enfin, Didi, elle sait pas. Ah non, ça, Didi Bull, non, elle savait pas quel âge t'avais. Ça, c'est sûr, 100%. Bah non, mais c'est. Regardez-le, lui. Ça a même pas les couilles de dire qui c'est réellement, donc c'est obligé de se cacher pour avec un faux nom. Dommage.
Là, y'a des mines. J'arrive, Peter, t'aider. Viens m'aider, mon pote. Ah, mais je suis pas bien. Il a 1 HP. Allez, dégage. Oh, allez. Bien joué, mec. Je suis celui qu'on envoie pour nettoyer les zones. J'ai d'aller au shop pour chercher des plaques et tout, là. Deux sur moi, l'équipe. J'ai moins de drone. Ils m'ont fini, ils sont 3 sur moi. Faites attention, ils jouent bien. Ouah, frérot, je prends un coup de snipe de derrière. Ah ouais. Il est sur le top derrière vous, tout le monde. Sors, Thiago. J'essaie de survivre, l'équipe. Un seul vise d'en face. Elle est devant toi. Ah. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé, l'équipe. Il était devant toi dans l'eau. Mais en fait, moi je voyais tout rouge, tu voyais pas tout rouge toi? Non, nous on voyait normal. Ah ouais. Ça me saoule. Ah, je suis désolé, je suis pas trop dedans du coup. Vas-y, vous inquiétez pas, moi je vais aller manger du coup avec la petite famille. Ça marche, ma bonne à toi. Bonne chance pour vos histoires, hein. Ouais, t'inquiète. Qui arrivera finalement à la ken? Est-ce que c'est Géo, malgré la différence d'âge? Ou bien est-ce que c'est Thor, plus réservé, mais qui à un moment donné propice, sortira sa tub pour la conquérir? Nous le découvrirons peut-être une prochaine fois. C'était la telenovela Madin Show. Merci d'avoir suivi ça, merci d'avoir été aussi nombreux.